œuvres vocales de Guillaume Asley, c'est une véritable découverte. Je n'aurais jamais pu rêver d'avoir une telle chance dans ma propre ville de pouvoir découvrir au XXIe siècle une musique qui avait été totalement perdue. Guillaume Asley est un compositeur du début du XVIIIe siècle dont on ne connaissait strictement rien. Et voilà qu'on découvre le seul manuscrit qui reste de ses œuvres. Il y a 400 pages que j'ai étudiées. J'ai choisi certains motets, certaines pièces, donc ce sont des œuvres pour voix de femme. Cette musique est pleine de ce qu'on appelle des grâces de la musique française de cette époque baroque. Et puis, c'est de la musique religieuse, mais qui comprend aussi des rythmes de danse de l'époque. En fait, la manière d'envisager le rythme à cette époque-là, ce sont des références avec des mouvements corporels, avec des mouvements de danse.